Bonjour, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à la troisième épisode du parloir. J'ai reçu euh, une vieille connaissance, un vieux chum d'adolescent que j'avais perdu de vue depuis vraiment longtemps, euh, Martin Gingras. Euh, on était à la même école secondaire, où on, on a commencé nos conneries ensemble étant adolescent. Euh, Martin a été euh, quelqu'un d'assez... Euh, assez pesant au niveau euh, du trafic de cannabis euh, sur la Rive-Sud. Et euh, c'est un gars qui s'est rangé aujourd'hui, qui a eu euh, plusieurs euh, sentences au provincial, euh, Québec et Ontario. Euh, ça a été un podcast intéressant. <laughs> euh, on a eu bien du fun, euh, on s'est rappelé des souvenirs. Et euh, je me répète, euh, avant chaque podcast, euh, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités. Mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Monsieur Gingras. Salut! <laughs> je me permets de t'appeler monsieur, je me permettre de t'appeler Martin. Ça fait, ouais, ouais, ouais. fait longtemps qu'on se connaît, moi. C'est weird, ouais, <laughs> weird parce que oui, ça fait longtemps qu'on se connaît, ouais, mais, ouais. mais on ne s'est pas vu pendant bon, extrêmement longtemps. Ouais. Fait un petit ré, récapitulatif de notre connexion. On était à même école secondaire, une des pires ouais, écoles ouais. secondaires du Québec, <laughs> qui, a, qui a eu une moins bonne réputation, Monseigneur parent à Saint-Hubert. Mm -hmm. euh, tu un gars de Saint-Hubert. C'est un gars de La Flèche, je ouais. Ben, La Flèche, ouais, ouais. c'est ça, le, le plus beau secteur le de Saint-Hubert. Le plus beau secteur. <laughs> J'étais un gars de, de la Rive-Sud aussi, euh, Le Moine, euh, Longueuil, dans, dans ces eaux-là. Un autre beau secteur. <laughs> Et, euh, fait il faut pas pour rien qu'on se connaît. Euh, <laughs> Art, on a eu euh, on, des chums communs. Dans, dans tes cours, t'avais des chums qui étaient mes chums ouais. depuis le primaire. Ouais. c'était t'es à notre gang de Le Moine. Euh, c'est weird parce que... <laughs> on te regarde aujourd'hui, Chris, tu mesures quoi? C'est-tu six pieds 2? six pieds deux, okay? six pieds deux, ouais. six pieds deux 2,90. Tu vas frôler le <laughs> <l 'en -tour rires> 300. Puis moi, je me souviens des premières fois que je te voyais, petit cuge gras, parce que Chris, t'étais tout petit, tout tu c'était quasiment à étais. étais... Ah, J'ai quasiment pris un pied en secondaire 5. Ben, non, c'est ça, c'est fou. <laughs> Puis euh, quand on s'est connus, tu prenais le, le... pas de place, t'étais quand même non, relativement non, tranquille. Non, ouais. euh, beaucoup de premières choses qu'on a vécues <laughs> en même temps. Ouais. Euh, on, on a connu l'escalade de la consommation, les premiers joints, et. Nous autres, nous autres, on le suivait à la cour, oh, Quand qu ils disent que le pote, euh, ça ouvre aux autres drogues, c'est pas vrai pour tout le monde. Nous autres, ça a été le cas. On, on essayait <laughs> des affaires. C'était plate, la Rive-Sud. <laughs> Puis, euh, justement, à ça, 16-17, euh, bon, moi, j'étais mis dehors de, de mon saint Je me suis retrouvé dans une autre école à Longueuil. Donc, chum, ça. C'est à partir de ce moment-là, fait aussi des promesses à mon père à cette époque-là. Je commençais à avoir une vie peut-être un peu trop rock'n'roll. J'avais un frère et une soeur avant qui. Euh, qui en avait donné du fait oh, fait, que, ouais. euh, fait que On s'est un peu... Euh, on s'est perdu de vue à partir de ce moment-là. On s'est recroisés. Salon de l'auto, ça des, des affaires, C'est ouais. ça, on s'est recroisés. Genre, aux 5-6 ans, on, oh, on s'est ouais. croisé. Puis là, euh, l'humoriste que je suis euh, à des réseaux sociaux, il a fait « Hey, Chris, tu t'en viens dans mon coin. Moi, de te voir en show. Oh, » C'est ouais. ma jasé, On parlait du podcast. Je savais que t'as eu euh, une vie mouvementée entre les périodes qu'on s'est pas connu. Ouais. Puis j'ai fait « Hey, Chris, man, on se connaît ça fait longtemps. T'as une de vie... » Assez rock roll. As un parcours assez rock roll. puis aujourd'hui euh, travail, t'es clean. Ouais, depuis, depuis 2017. T'as ouais. fait euh, as fait des promesses à ta mère, oui. ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux me parler de ta vie parce que oh, t'es oui, rendu un gars super tranquille. Exactement. Ben justement, on va commencer direct. Maintenant, la partie du moment là, euh, où on, nous autres on s'est perdu de vue le 16-17. Ben 16-17, tu sais. Euh... Je, je vendais tout le temps un peu de drogue sur le side. Là, tu sais, ça payait ma consommation, ça me faisait un petit revenu de plus. Euh, puis, tu sais, je te dirais, c'est que vers à peu près 19-20, j'étais bien placé. J'étais contremaître dans une usine euh, de production de portes d'armoire. Puis là, il y a eu un fuck de syndicat. Tu sais, moi, je n'étais pas syndiqué. Là, okay. les... Puis là, il y a eu un fuck de syndicat. Puis finalement, ça a comme fermé à cause du syndicat parce que là, les boss ont refusé de se syndiquer. Puis là, moi, vu que je n'étais pas syndiqué, ben, ils pouvaient me garder, puis ils gardaient il comme la shop, comme entrepôt. OK. Fait que je foutais rien de la journée. Man. Okay. Rien, rien, rien. Je recevais une vanne de temps en temps que je déchargeais, puis une autre vanne que je reloadais. Quand j'étais contre-main de production, je m'emmerdais, là. Pas possible. Puis, tu sais, on a tout le temps eu plein de chums qui avaient des, des runs de potes dans le temps avec oh, les, ouais, les, oh. des puis et tout. Puis je on était bien connectés, disons. Oh, ouais. On avait les contacts. Je remplaçais de temps en temps sur des runs de même. Tu je faisais la livraison à domicile pour un autre gars. Puis, euh, puis là, je m'emmerdais tellement. Puis là, lui, il a perdu un de ses gars. Puis là, il a tenté de se faire ça à temps plein? Je fais, Ok, right. Why not? J'ai commencé de même. J'ai fait ça, tu sais, pendant. Je te dirais, peut-être. 4, 5 ans. Dans ta des accents. Ouais. Oui. <laughs> Je pas ouais. su... Il m'a donné les à donné. C'était comme un, ta... un char de rallye. Mon gars, <laughs> ça n'arrêtait pas de sonner, ce Padgett-là. Puis à un moment donné, il y a eu des fuck. Là. Euh, là, ouais, Je peux compter ça. Dans le fond, on s'est fait prendre en otage. Euh... OK waouh, attends attends. waouh. Là c'est on se fait prendre un peu contre ça, on s'est fait prendre en otage. C'est là que ça a changé Non, comme... non, non, je comprends ouais, mais quand ouais. tu parles on s'est fait prendre en otage, Le on, donc tu pas okay. Tout seul. OK. C'est parce que là la pagette est tellement devenue grosse qu'on ouais. avait séparé comme en deux pagettes, un pour Longueuil puis un pour Brossard Saint-Hubert Ville de la Moine tu sais. Moi je m'occupais Saint-Hubert Brossard tout ça, puis j'avais un de mes amis qui était à Longueuil. Là on parle on est, on est dans quoi? Oui. Oui, oui. Juste oui, oui. 100 oui, oui. oui. OK, parfait. Mais dans le fond, là, on se peut dire de ça. Toute ma vie, là, toutes les fois que le gouvernement m'a mis en prison, c'est pour des choses qu'aujourd'hui le gouvernement fait légalement. Fait légalement. <laughs> c'est <laughs> ça, OK. Non, non, mais c'est ça. Je voulais juste mettre, tu sais, comme le monde. L'ironie du sort, là. Parfait, parfait. Ça fait. a tout le temps été, genre, euh, soit, tu sais, des debris de conditions à. Euh, euh, Trafic de cannabis à la production de cannabis. Ça okay, tout le temps parfait. été là-dedans. Toutes mes accusations dans ma vie, c'est tout le temps dans ces trois choses-là. Parfait. Fait qu'on repart. Fait que là, ouais. deux pages, deux c'est yes rendu. c'est qui... deux, deux runs, mais c'est la même run. Puis là, ce mois-là, c'est ma blonde qui me chauffait dans ce temps-là. Okay. Parce que j'avais une suspension de permis. là, tu sais, J'avais perdu 18 points un an. À un moment donné, ouais, là, tout le temps sur la route. Ouais, je sais. Okay. Ce qui te fait stresser, c'est pas de ouais. te perdre tes points, mais c'est ce que t'as es dans ton char quand tu te fais coller. Fait que c'est ma blonde qui me chauffait. Puis là, le gars de longueur, il m'appelle. Tu je n'aimerais pas. Non, mais tu peux ouais, venir oui. me rejoindre chez le client. J'en avais pas assez sous moi. Normalement, j'aurais été trop dans le jus. Puis là, ça donnait. J'étais pas loin de Longueuil, c'était pas loin de Curé Poirier. Là, je dis OK, je suis à la ville de Moine. Pense, je pense que je m'en viens. J'arrive là, je rentre là, puis finalement, tu si sais, je tombe sur trois gars armés, tu comprends? OK, les autres, ils se sont dit, on, on, on les fait, là. C'était ça, le, le plan, c'était juste des de boss. Ouais, non, c'était de voler complètement les runs. Ah, ils voulaient, OK, ils voulaient oui, pas passer. Parce je, moi, je me souviens, c'est parce qu'on a ouais, déjà ouais. fait ça, là, appelé un gars, puis non, euh, non, on l'a pas payé, mais on est parti avec ses il, affaires. Ils mais... voulaient complètement la run. OK. Fait, fait qu'ils ont fait rentrer ma blonde ici, là. puis ils ont dit, genre, vous appelez vos boss. Puis on attend qu'ils viennent, puis je leur explique que s'ils ferment les lignes de Padgett avant que j'ai le temps de transférer tous les clients, ça va brosser, blablabla. Bla, 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 bla. OK. Fait que là, moi, je me dis, Man, ils sont fous, je les appelle. Non, mais ben, écoute, je t'arrête. Ouais. On, on rentre pas dans les détails non plus. J'ai ouais. passé un peu dans cet univers-là, moi mm -hmm. aussi, fait, je connais un peu de, de quoi tu parles. Mais tu sais, moi, j'ai vu des runs se faire racheter. J'ai vu du monde, mettons, justement, se retrouver en dedans. Euh, puis quelqu'un d'autre qui a pris le numéro, ben, quand même, mais c'est la première fois que j'entends que quelqu'un essaye de voler un numéro. Là, parce que son, à l'époque, ça marchait. Vraiment, ton numéro de téléphone valait ben, de l'argent. C'est un peu pour ça que je compte cette histoire-là, parce que c'est un peu après ça que... Comme le fournisseur de mon boss, mon boss, là, tu sais, ça a comme changé de main avec le fournisseur, justement, parce que comme je pense qu'il avait pas aimé tout ce trouble-là. Ben, mais c'est Mais sont pas, mettons, là, ils, ils font rentrer. cette trois-là m'intéresse ouais. vraiment. Oui, ouais, c'est ouais, super le fun. Fait à à là, euh, genre de morceau en dessous du nez, puis trois des boss, Ouais, pis, trois okay. gars, euh, deux, deux semi-automatiques, genre des 45, puis euh, un douze coupé. Puis euh, là, ils font rentrer ma blonde, puis l'autre euh, runner est déjà là sur le divan. Ah, lui, quand il t'a appelé, il... Ouais, lui, il m'a mis en piège. Là, ouais, mais en même temps, Chris, il t'a mis en oh, piège. Il avait son même oh, morceau oh, <laughs> à côté oh, sur le bord de la gueule, puis t'a appelé. On est rentrés tous les trois là, j'ai appelé le boss, je leur ai expliqué ça, on s'est assis dans le divan, puis finalement, je restais là 5 heures de temps man, avant que quelqu'un se pointe. Puis, euh, tu sais, moi, ma blonde, a la capotait, l'autre était blanc comme un drap, puis moi, je faisais que chialer, man. Que que là, on... Je connaissais le client, ouais. fait que j'arrêtais pas de lui donner de la marge, je ne pas grave, tu me fais ça. Tu étais pis le... début vingtaine, genre. Euh, J'ai. 21, 22, 23. 24. mois. 20... Okay, okay. Puis, j'arrête pas, tu sais. En plus, il a pris l'argent dans mes poches, J'arrête pas de dire, et hey, puis mon argent de mon loyer, c'est bien beau, tu prends l'argent. Puis, tu sais, justement, je suis allé qu'ils m'ont redonné de l'argent de mon loyer que je disais. Ils m'ont collé à bouffer, man. <laughs> je dis là, j'ai faim, ils m'ont collé de la villa du sous-marin, même tu sais. <laughs> T'étais pas stressé, là. Non, pas tant. T'étais plus en crise que ça. Ben, c'est là que je me suis rendu compte que. C'est la première fois que je me rendais compte que, tu sais, j'avais du nerf pour ça. T'étais peut-être un peu faite pour cette nouvelle Mais, tu sais, en même temps, mes deux enfants, moi, sont autistes. Fait que, tu sais, c'est peut-être un peu, tu sais, parce que plus tard, je t'amène sur une autre sentence, la psy m'a comme diagnostiqué comme un sociopathe sans empathie qu'un haut niveau d'impulsivité. Ce qu'on qu a changé après avec les thérapies, mais c'est une autre histoire. Mais, t'sais, ça, tu sais, c'est ça, je suis plus logique que humain, tu comprends? Je suis plus logique okay, ouais, qu'humain. Ouais, T'es un, un genre, peut-être un peu sur le spectre Asperger, un peu. De, Exactement, de, de, c'est ce qu'elle disait, ça, la, la, la okay. psy. Fait tu sais, moi, en ce moment-là, moi, euh, ouais, c'est ça, j'étais plus logique que chez dans mes culottes, okay. tu c'est la première fois que quelque chose vraiment du genre c'est là que vraiment que la vie a changé, là, que j'ai pris l'embranchement. Ouais, parce que je... je veux dire, on a, on a fait des conneries, mais jamais. Là, non, on non, jamais, jamais été impliqués dans nos affaires d'un Non, non, c'est ça. ça puis après cinq heures, c'est le fournisseur qui est arrivé, pas le boss. Puis tu sais, oh, on n'aimerait pas de nom, mais non, 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 ça, 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 non ça a fini en, en fusillade. Là, okay, bon. Oh, ouais, les fenêtres pétaient, puis tout. Puis euh, nous autres, on a réussi à se pousser par la porte d'en avant. Puis il y avait un des gars qui avait une balle dans la jambe si, Nous autres, on a réussi à se pousser par la porte d'en avant j'avais encore mes clés dans les poches j'avais parqué mon char en avant du bloc appartement en plein jour man, dans à Longueuil puis là si, j'avais pas de permis mais ma blonde dit, il fallait que je tape dans mes mains pour qu'elle se lève debout ah ouais, on s'en va on était en état de choc ah, là ouais, il était qu fait que là, moi je chauffe puis, tu sais, je tourne à droite, puis je retourne à droite, puis là, il y a huit chars de bœufs qui s'en viennent. Là, c'est flash. Puis là, je dis, à ma embrasse-moi, embrasse-moi. Fait que là, je l'embrasse, on passe à côté des chars de police, tu sais. Un film, Steve, finalement. Ouais, là, ouais. Là, puis là, elle avait tellement peur, elle voulait pas qu'on aille à la maison, parce que lui, pendant cinq heures, là, il faisait son speech, puis il est rentré dans sa tête, là, tu sais. Genre, euh, je sais où vous habitez, je sais où est -ce que vos parents Mais habitent, tu sais. Le gars qui avait ce plan-là, tu sais. C'est un gars qui avait une certaine as Tu c'était un gars connu, c'était un talent ouais, oh, ou okay, oh, okay, ouais, si je te dirais ton nom sans micro, je... tu le connaîtrais ok, okay. Mais ouais, lui, il, il je pense qu'il avait fait un, un deal de hache avec mon boss dans ce temps-là puis que il avait pas été satisfait, je pense, puis l'autre avait pas voulu le rembourser, fait que je pense qu'il avait voulu faire ça. Okay, mais euh, il voulait pas booster comme le stock puis l'argent il voulait vraiment la parce run, on avait, dans ce temps-là, on avait la plus grosse run de pot, ça arrive sud là, quand tu es obligé d'avoir deux padjets... là. Oh ouais, ça ça roule. Fait c'est lui, c'est ce qu'il voulait là, puis c'est brillant parce que c'est bien plus payant d'avoir tous les clients qu'avoir juste le stock et l'argent one shot. Il y a des jeunes qui nous suivent un Jet, là. C'est ça de gros! Il fallait que tu appelais puis tu laissais un numéro de téléphone puis on te rappelait. C'était tellement merveilleux. Mais si tu me dis c'est 2006 Jet. on dirait que pour moi, 2006, c'est comme il y a trois ans dans ma tête d'un gars de quarantaine. C'est fou, c'est fou. Mais là, man, écrit, mais c'est vrai qu'on a pareil. ça. C'est pas 2006, ça là. Non, non, avant. Parce que 2006, c'est ma première Ouais, ans. ok, c'est pour ça que j'avais 2006. — Ouais, je me suis ça, pas hein. fait arrêter là. Non, non, 20 le... ans, ça veut dire ouais, plus 2002, 3. J'habitais à Ville-le-Moine sur place Richelieu. Puis là, ma blonde, elle voulait voulait pas retourner partout à l'appart, mon gars. Tu sais, on était dans le coin là, genre Curie-Poirier, Sainte-Hélène, dans ce coin, dans ouais, ce, ce secteur-là. Ouais. Puis là, lui, il disait Je sais où vous habitez, je sais où vous parlez où habite. Puis moi, je m'en colle ça, je ne criais pas, mais elle, ça y est rentré dans la tête. Ben, fallu... J'ai descendu à 132 jusqu'à temps qu'elle me dise Ok, on peut arrêter, j'ai pris un motel, man, à contrecoeur. Ouais. ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Chris, puis, t'avais été lui... tout seul, mais là, avec ta blonde, Chris, faut, ouais. faut, faut que ta géré un peu. Puis, lui, c'est s'est ramassé, le, Celui des trois qui avait une balle dans la jambe, il s'est ramassé à l'hôpital à Montréal. Puis ça, c'était un, un des assaillants, si on veut dire. Là, oh, oui, c'était chez eux. Okay, c'était okay, son plan. Okay, okay, okay. C'est lui, là, le principal. Là. Puis, lui, il, il a fait le chemin jusqu'à Montréal pour aller là pour pas qu'il relie à ce fusillade-là. Hum. il a dit. Mais, par respect. On n'est pas en 2023, ouais, là. Cette année-là, les ouais. fusillades n'avaient pas tant, C'est pas comme aujourd'hui. Par respect, tu sais, pareil pour ce gars-là, il n'a pas dit un crise de mot. Lui, il a dit je me prenais dans une ruelle à Montréal, j'ai poigné une balle perdue. Ouais, c'est sûr, les polices, ils ne le créent pas, mais, mais... Gars, ça finit là, là Non, comprends? parce que t'arrives à l'hôpital, une balle, la police arrive direct. C'est ça. Puis là, ça. il était à Montréal, il n'était même plus dans le même coin. Fait que ça s'est fini comme ça. Puis comme je te dis, c'est à partir de là que le fournisseur pour avoir fait ce job-là. J'imagine qu'il demandait quelque chose à mon boss. ça finit que le fournisseur, tu a ramassé ça pour lui. Je ne sais pas comment ils sont arrangés, mais je me suis retrouvé pour travailler pour le fournisseur du jour au lendemain, qui était un vieux de la vieille. Il m'a tout appris. C'est ça, c'est ça. C'est là que ma vie a changé. Puis une couple d'années après, c'est moi qui le rachetais à lui. Puis, tu sais, de fil en aiguille, tu sais, j'étais un vendeur né. Fait que, tu sais, à peu près vers 28-29 ans, j'avais étendu le réseau à, genre, du volume. Au mais là, tu attends, 28-29 ans... 28-29 ans, on est, ouais, ouais. On a-tu est, on est, on est, on est passé ton 2006? On a là? passé le 2006. Non, Il, mais même avant ça, dans le fond, j'ai commencé du volume, c'est vrai, tu sais. Ça devait être... Euh, ouais. Un peu avant 2006, 2005, que j'ai commencé à mettre des employés sur le Padget parce que moi, j'étais trop occupé à faire du volume. T'étais plus à. En... Ouais, non, c'est ça. Là. Étais, tu plus au 3,5. Toi, tu à livre. Tu étais à livre. Ok, ok, ouais, Merci, c est c est ok. c'est ça. Okay. J'avais catché que c'était là. Ben puis, oui. ça, faisait, t'sais, 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 ça faisait tellement d'années que. Puis, anyway, tout le monde vient de la flèche. <laughs> Tous les fournisseurs viennent de la flèche. Euh, tout le monde savait que j'étais pas un voleur. Que moi, la drogue, je n'ai jamais accroché à ça. Je suis pas un alcoolique. Je suis un ça. gars de parole. Christ, avec fait ce que tu as vécu, tu n'as pas signé, tu n'as pas appelé personne. Jamais, de jamais si, euh... même, même après, toutes mes sentences, je les ai faites tout seul. Je jamais dit un mot. Fait que, parce que des 100 livres, j'avais pas l'argent pour acheter ça cash. Il faut que tu aies une bonne réputation. Puis en même temps, je suis devenu ce qu'on appelle un flipper. C'est là que je me suis concentré. Okay. Un flipper comme des flippeurs de maison. Mm -hmm. Il y a du monde, tu sais, mettons, toi tu te fais pousser man, dans ton sol, là, bien, dans le temps, là, à ce temps ça veut oh, Mettons, tu rentres lumière dans ton oh, sol, okay. puis tu récoltes, tu 50, 60 livres au trois mois, tu n'as pas le goût de faire affaire avec le crime organisé puis tu n'as pas le goût de vendre ça, une livre par ci, une livre par là, tu as le goût que ça parte. Je veux te débarrasser, là, Le goût que ça, ça parte. Fait, que les gars aussi... Je les appelais mes fermiers. J'en avais même, là, qui débarquaient chez nous, hein, qui me droppaient ça. « Tiens, je t'ai fait à temps. Appelle-moi, mais que tu de l'argent. » Tu comprends? Fait que là, tu sais... Ta moi, réputation était faite, là, ouais, sur Oui, puis moi, je flippais là. ça, tu sais. Tout okay. dépendant au, comment loin j'allais le porter, ben tu sais, ça allait être euh, tant la livre ou si ou ça. Puis plus t'en prends, plus... Ou, si, si tu me faisais, prends trois livres, c'est un prix. Si tu m'en prends dix, ouais, des fois, je faisais même le transport pour d'autres flipeurs fait que je m'occupais de rien, je faisais juste faire un une heure et okay. demie aller-retour, je le chargeais des fois 25$ la livre, mais quand ça vas porter 100 livres, ça te prend trois heures. Qu'est-ce rendu là? T'sais? T'sais, je te pose la question, ouais, c'est sûr que tu étais peut-être plus jeune, là, tu sais. C'est un univers que je, ouais. que je connais un peu. Un peu. <laughs> mm. <laughs> Puis euh, Mais rendu-là, pour, pourquoi tu touchais encore au produit? T'es rendu là, tu aurais pu juste... Même plus avoir le contact avec le produit en tant euh, que… Là, non, parce que, tu sais, les, les prix, t'es compétitif, pareil, puis tu sais jamais si tu vas te faire voler okay. whatever. Puis, peu importe, même aujourd'hui, dans une business légale, j'ai de la misère beaucoup à déléguer. J'aime ça que ça soit fait okay. de ma ouais. ouais. façon à moi. Oui, je comprends. J'aime ça comme ça. Puis, euh, je te confiant, pareil, là, je me suis fait arrêter une couple de fois que, tu sais, euh, même en Gaspésie, j'ai embarqué dans le char de la SQ avec le stock, là. Okay. Ça, mais attends, un autre attends, histoire. attends. Ouais, c'est ça. Là, <laughs> moi, je vais me rendre, je vais me rendre en deux, 2006, 2006, 2006. C'est ta première condamnation C'était oui. sur quoi C'était pourquoi ton 2006. Je venais de me séparer, fait que je suis allé habiter dans une des maisons de pousse. Euh, puis euh, ce soir-là, j'étais allé coucher chez une fille. Puis il euh, y a un gars qui a défoncé la maison. Puis là, il a trouvé des plats dans le cave, puis il a commencé à voler les plans. Ok, lui, c'était random. Random. Il savait, il savait pas que c'était Random, une il de avait une série, man, d'entrées de, par infraction dans le quartier. Ok, imagine. lui, tant de fois, il venait il... voler tes DVD, puis euh, ta TV. Oh, ouais, puis, okay, ouais, okay. ouais. J'ai trouvé les affaires déploguées sur le divan. Okay, ça, et okay, puis, okay. Euh... Mais quand il, il est tombé là-dessus, il a fait fuck la TV, fuck puis les DVD. Puis il y a un là. voisin qui l'a vu. Oh. Fait qu'il a appelé la police. Ah, fait que là, moi, le lendemain, j'arrive chez nous, puis je suis pas capable d'ouvrir la porte. Ben, je dis, voyons, il, ils l'ont barricadé par en-dedans, les policiers. Je donne un coup d'épaule, j'ai un télémandat sur le comptoir, tu sais. Euh... Fait que euh, c'est ça. Ça a été ma première... Mais c'était ta maison ou... elle, elle pas, je, Moi, j'avais jamais rien à mon nom, mais tous mes papiers personnels étaient rendu là parce okay. que je venais de me séparer d avec mon ex. Tu là en tant que tel. Les boîtes n'étaient même pas défaites là Il y avait tous mes papiers. Tu sais que tu traînes toute ta vie, genre. Là, oh, et, <laughs> ton diplôme de secondaire, quasiment. Fait que, tu ne peux pas euh, donner euh, à le nier. Ah non, Je me suis fait voler mes boîtes de déménagement. <laughs> non, non, je t'ai Ouais, Oui, 2006. J'imagine que tu fais partie de gars. C'est arrivé je l'assume, puis c'est ça. Tu vas pas essayer de trouver 8000 raisons de faire. Ce n'était pas mes boîtes. Non, parce de... que je veux pas qu'ils creusent plus loin. En plus. Okay, je ne veux pas ouais. qu'ils creusent plus loin. Ça, ça doit être la, la fois que j'ai plus ouvert ma gueule en interrogatoire parce que First, c'était ma première. Puis deuxièmement, je voulais pas qu'ils creusent plus loin. Je voulais, wow, proté je voulais protéger les autres. T'aimais mieux de faire arrêter genre pour production que pour... C'est ça. Puis c'est pas gangsteriste, fuck all. T'sais. Oui, c'est ma maison, je l'assume. Oui, c'était mes plantes. Merci, bonsoir. Je me suis dit, première offense, ça ne sera pas si pire. Puis c'était pas si pire. Puis, puis dans ce temps-là, la loi de Harper n'était pas passée. Hein. Fait que la prévention qu'on puis... t'en double, puis les crimes non violents, c'était un sixième automatique. Fait que, tu sais, c'était comme pas grave, là, tu comprends? Ça fait au bout de la ligne, t'es. Donc, t'as été accusé de production? Oui, j'ai été libéré sous caution, aussitôt. Oui, ça. Aussitôt. aussitôt. Puis, tu sais, je me suis refait euh, pogner sur, oui, 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 sur bris de condition. Mais t'as-tu. T'as eu quoi? T'as-tu été sentencé, t'as-tu... Oui, 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 c'est ça. Je me suis fait repogner sur bris de condition. Ouais, mais OK, fait que. J'ai ah, été libéré sous dire. caution en attente de procès. Ok. Je me suis fait réarrêter. Ah, fait ton, avant entre, entre ta libération et procès, procède, ouais. tu t'es fait arrêter pour Je me suis fait condition. arrêter euh, trois bris de conditions. J'avais un padjet, un cellulaire, puis une demi-poudre. De fait que trois bris de conditions, trois mois de plus. Là, ils n'ont pas voulu m'ordonner une un autre caution, tu comprends? Ben, Chris! c'est là, ton... là, <laughs> là que j'ai... Tu sais, c'est genre, « Ah, oh, ils m'ont fait faire un pipi test, Chris, puis j'ai fumé un pétard. Non, non, OK, j'ai un pain, j'ai un sel, puis un demi de poule. » Le pire, c'est que ça a été un de bad luck, parce qu'il y a un autre, domaine, <laughs> y a un autre de mes chums qui vendait des pellules. Je passe sur Sainte-Foy, je venais juste de finir de déménager une fille que je connaissais en plus. J'ai pué pendant une semaine là-bas, tu, sais, tu comprends, t'as pas de linge. Non, non, non. Je venais juste de déménager une fille que je connaissais, mon gars. Je passe sur Sainte-Foy, puis direct au Kentucky, je vois le char à mon chum qui se fait embarquer sur un towing, puis je vois tous les cochons. Puis là, moi, je suis au téléphone, puis je passe à côté d'eux autres, puis eux autres, ils partent après moi. Parce qu'il avait répondu à son cellulaire, puis il y a quelqu'un qui venait leur rejoindre pour un deal. Fait que là, il me voit, il passait en en regardant au cellulaire, puis il pensait que c'était moi qui venais leur rejoindre. Ouais, parce qu'à l'époque, on avait le droit de parler au téléphone. Oui, oui, C'est ça, il faudrait le préciser. dans le temps, on avait le droit. Dans le temps, on avait le droit. Mais pas moi, j'avais pas le droit d'avoir parler. Oui, t'avais pas le droit de parler, t'avais pas le droit d'avoir un Mais là, il me colle, puis là, il dit. Ouais, tu t'en venais voir ton chum là, de l'autre bord de la rue. Puis, tu sais, oui, je le connaissais, mais non, je ne m'en venais pas le voir. C'est vraiment une petite coïncidence. Puis là, je dis non, non, non. Puis là, il continue, tu sais, à marceler, genre, tu sais, à vouloir s'en être moins épais, blablabla. Je dis non, non, non. Il dit, peux-tu voir ton sel, voir si tu l'appelais? Je dis, pas de trouble. check mon sel. Puis là, il voit tout que je faisais étoile 67 avant. Ça, c'est une autre affaire que peut-être les jeunes ne savent pas. Ouais, quand Donc, tu faisais étoile étoiles... 67, ouais. ça te donnait un numéro confidentiel. Ouais, c'est <laughs> ça. Puis là, il dit, ben tu sais, si tu parlais à ton ami, pourquoi tu fais étoile 67? Genre, oh, c'est parce que j'ai emprunté le téléphone à ma blonde. Puis, tu sais, je sais que si mes amis rappellent son cellulaire, il va chialer. Puis, tu sais, j'avais réponse à toutes. Fait que là, ça le faisait chier. Puis, elle disait « OK, ben J'ai pas. tu veux pas l'avouer, je peux pas t'arrêter. » mais je vais prendre tes papiers pareils. » Je même pas demandé mon nom encore. « tu vas prendre tes papiers t as, t as pareils. As-tu as char plaqué à ton nom? Non, j'avais un okay. char loué en plus. Un char loué genre chez oh ouais. tendu, ah ouais, que sûr, je louais au mois tout l'temps. le temps. Ça aussi, on me classique. posait des questions. Puis On était pas loin des, des vacances. « ah, Moi mes frères, on est loin un de de descendre au chalet, puis whatever. » J'avais vraiment réponse à tout, parce qu'il faut que tu sois prêt à avoir réponse à tout. Il faut que tu aies une histoire, où tu t'en vas, de où est-ce que tu viens, parce que si tu bégayes, c'est louche. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois prêt. Ah, puis, excuse-moi, je te coupe le... On va le dire, en ce moment, là, le, le gros vibe TikTok qu'on voit, que le monde, là, ça veut pas parler à la police. Gah, yeah, c'est des TikTok. l'écoutez pas. Le monde, tu n'as pas mon nom, t'as pas le droit. Hey, plus tu fais chier une police... Il ouais. y, 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 y a des de ça, des pères de règlement, là, ils vont trouver quelque chose que t'avais pas le droit de faire, même si toi, tu savais pas que t'avais ah, pas le droit de le faire. Ah, je suis tout le temps faire, prêt, puis c'est ça que tu fasses, là. Tu sais, quand je voyageais à Mississauga à Toronto, j'avais un veston, un veston tout accroché, même, en arrière, puis tu si sais, je me faisais coller, tu sais, je m'en vais au baptême du fils à mon cousin à Mississauga. Tu sais, c'était cette histoire-là. Mais là, finalement, tu sais, quand, mais qu il a là, pris, quand il a pris tes papiers... Là, quand hein. qu il a pris mes papiers, il dit, « Là, je vais mettre ton nom comme quoi tu es suspecté de faire du trafic, puis je vais te laisser partir. » Là, je donne mes papiers, là, je tu, sais, mm -hmm. tu sais. Il me vaut au cellulaire. Avec les, ça va, il tape mon nom, il revient, il m'en est à l'arrestation, ouais. c'est ça. Pis là, Rendu dans la salle d'interrogatoire, il pogne le cellulaire à mon chum qui s'est fait arrêter au bord de la rue, il voit dans ses contacts, jingra il appelle, puis bon, père Johnson dans l'autre salle, tu sais. Fait que là, tu sais, on n'a pas dit un mot, toi et deux. Non, 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 mais, mais, mais t'étais déjà en bris de condition, de toute façon. Oui, ouais, c'est là que je me suis retrouvé vraiment la première fois en prison, parce que l'autre fois, sous caution, j'ai juste fait du bullpen au euh, Ouais, du une semaine de, de bullpen. Gueule. Même pas une semaine. Euh, j'ai bon, okay, été ouais. libéré la même journée. Okay, okay, okay. Parce que euh, mon avocat avait dit au poste de police euh, mon client, il a eu reçu un télémanda chez eux, il va se présenter telle date, Tout est seté. Mon avocat m'a fait justice. J'avais tout seté pour Bing bang! sortir. Ouais, là, je me suis retrouvé en prison pour la première fois. Jusqu'au procès au minimum, les... J'ai de... tiré ça six mois. Ah, pour que ça compte en double. Pis... <laughs> J'ai tiré ça pendant six mois pour qu'il compte en double. Parce qu'il avait parti à 21 mois comme. Puis là, il baissait tout le temps parce que j'ai tiré ça. Puis finalement, quand j'ai plaidé coupable, il m'a donné 21 jours, le chien, tu sais, juste pour pas me donner tant fait. Puis là, tu fais un sixième de 21 jours, tu comprends? Et ton teint, t'es déjà fait depuis. Non, mais transfert. te Fait que là, parce que t'es dans une wing de prévention, puis tu dans une wing de détention. Mais tu sais, c'est même pas quatre jours, là. un sixième de 21 jours, là. Fait qu'ils m'ont transféré deux, trois fois de wing en trois jours, juste pour me faire chier. Puis tu sais, tu passes même pas devant le comité de libération dans ce temps-là. Itlibar. libère. It direct. C'est depuis non, que la ça. loi a changé que les prisons débordent. Oh, non, c'est ça. <laughs> On va pas partir sur le débat. Ouais, Est-ce ouais. que c'est une bonne chose ou pas une mauvaise chose? On a chacun nos opinions là-dessus, mais... C'est parce que, tu sais, peu importe que tu rallonges les sentences ou whatever, à la base, ça ne décourage pas les criminels, parce que le criminel, quand il fait un crime, dans sa tête, il ne sera pas pogné. Fait que peu importe que ce soit un an ou dix ans, dans sa tête, il ne sera pas pogné. Fait que c'est pas une bonne méthode. Si tu vois, ça coûte 9 milliards de plus, je pense, le frais de détention au Canada depuis cette loi-là, puis le taux de criminalité n'a pas baissé. Si tu vas voir les statistiques, tu vois que c'était pas un ben, bon move. C'est si bon, il faut juste écouter les nouvelles. <laughs> ben c'est pas un bon jamais move. De, de, de c'est bon de juste qu'on est t'sais. tous un par-dessus l'autre, puis c'est encore plus violent dans les prisons. Tu <laughs> 2006, bon, bing bang, bang t'en ouais. ressors, tu te repars exactement là où t'étais. Je ressors, je ressors tant en fait, en fait, mon gars. En fait. J'avais 24 heures pour me. pour rappeler mon agent de probation, puis après ça, ma probation était finie. Non, mais c'est je... oh, <laughs> Non, non ce je... t'es reparti direct, je veux dire, la... ben, dans le business. Mon, mon premier, euh, mon premier six mois a été euh, le six mois le plus violent que j'ai en prison. OK. Oui, mais ben, j'avoue qu'on n'a pas parlé de ton. J'étais. Ben, là, t'as tu sais, quoi 20. 24, j'ai eu 25. J'ai eu 25 pendant euh, que j'étais là-bas. Ah, Puis, tu euh, sais, j'ai commencé à RDP parce que quand tu fais le jeu à longueuil, tu commences tout le temps à RDP. Je me suis remonté dans le S2, là, que c'était du secrétaire, que c'était juste des gars qui étaient en attente de procès pour des meurtres ou des grosses affaires. Parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Puis là, après ça, quand il y a de la place à Bordeaux, ben, il te transfère à Bordeaux. Je me suis remonté dans le C. Là, tu sais, tu t'apprends LC Bordeaux ouais, 2006. Le, le bloc, et il l'appelait la jungle. Et ouais, il ouais. l'appelait la jungle. On était 200 personnes sur trois étages de cellules, puis un, un sous-sol avec le gym, les douches, euh, la buanderie. Puis deux gardiens au bout de tout ça. Là. Mais puis quand ouais. tu dis que ça a été les six mois les plus violents que t'as fait. Fait que mettons, surtout, on va, on, va, on va passer tantôt à, à aux ouais, ouais. autres sentences, ouais, mais ouais. sur toutes, mettons, les sentences que as eues, tout le temps que t'as fait, ça a ouais. été le, ce six mois-là, ça a été le plus violent que t'as vu. Pas pour moi. Pas okay. pour moi. Non, mais, mais t'as dit que j'ai ben, vu. Oui, c'est ça que t'as vu. Pas pour toi personnellement. Ben, tu sais. Ça n'a pas de sens. Ben, parce écoute, que... t'es connaissant, Je pense, sais, je pense pas que tu... Je sais que t'es pas un gars. Non, euh, je suis de bien. Puis, es pas un gars agressif. C'était je... pas un gars. un observateur, euh... tu sais. Puis, j'étais un bon parleur. Puis, j'ai été un joueur de poker longtemps, tu sais. Je, ouais, c'est ça. J'analyse mais... le monde. Puis, le monde n'est pas brillant, ouais, oui, là-bas, que... Genre, que... <laughs> tu mais... parles de quoi quand tu dis ce que t'as vu mettons, en 2006 C'est parce que. Imagine, tu mets 200 personnes en prévention fait que tout le monde est en train de brosser, tout le que... monde est stressé, tout le monde est saigné. Techniquement, personne est jugé coupable. Fait que tu as du monde là-bas là-dedans qui sont là pour vagabondage, t'as du monde là-dedans qui s'en vont à aux peines pour tentative de meurtre là. Ça fait un style melting pot parce que ceux qui se font manger à l'aine sur le dos, ben les autres ils se font manger à l'aine sur le dos solide, puis les craquettes qui empruntent, cest tu pour avoir de la drogue bien, parce sûr. que là il y a, y a tout, là, ah, ce non, que tu ça, veux. non, c'est là... de l'itinérant, tu de la tu du monde qui ont des problèmes euh, psychologiques, santé mentale. Tout du monde euh... s'en va pour 15 ans c'est ça t'as du monde qui ont tué t'as du monde des, des gangs de les rue t'as tout ils, là. Sont câlisses, là. ils sont en là s'ils sont en train d'écouter la télé dans la wing puis tu parles trop fort là ils vont faire ce qu'ils veulent avec toi man ils parce, parce que hein. s'ils vont tomber consécutifs si ça s'entend c'est Fait donc euh, oui yeah. je voyais du monde se faire poignarder à toutes les semaines si on faisait on faisait du deadlock tout le temps si j'ai même vu un gars arracher une barre de fer en dessous de son lit puis fendre la tête du gars en avant de la cabine des Est-ce que le gars est parti à courir jusqu'en avant où ce que les screws étaient il s'en colle, ils le il fargé, même devant un screw. Ah, j'ai vu des d'affaires ah, de vrai. fou. Le mais... classique, la canne de ton dans le il... bord. Oh oui, ça aussi, <laughs> j'ai vu ça même avec des boules de, de billard. On avait deux tables de ah, poule. Deux, de deux tables de poule. Deux puis un gars. Tu sais, parce que à, à la cafétéria, c'était vraiment séparé. Là, tu sais, les Italiens à leur table, les Arabes à leur table, puis, ouais, ça, un puis un les Québécois oui. qui se tiennent pas, dispersés, parce qu'on est le seul peuple qui se tient pas. C'est là que tu le vois. Puis, il euh, y a un gars qui a fait un commentaire raciste à un arabe. Puis, eux autres, quand ils est revenu de la cafétéria, ils l'attendaient, toute la gang, même, avec des balles de poudre, là, des bouts. Ils l'ont massacré. man Alors, c'était. Ils appelaient ça la jungle. Ça, ben, c'est une fois qu'il faut parce aujourd'hui en 2023, c'est comme l'acceptation, tout le monde, il est. Le racisme de moins en moins présent, de ce, couple, de, 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 de ce que je vois, moi, dans, ah, dans, dans la vie toujours. Mais s'il y a une place, si t'as l'impression que, que c'est black, c'est arabe, c'est blanc, c'est c'est divisé. Tout le monde et, est en gang. Tout, tout le monde, monde est, est en, en gang, gang à part les Québécois. Non, c'est vrai. Ouais, Là, tu vas voir des Québécois se sock-up qui vont essayer de se greffer une gang d'Italiens, genre Ah, ma cousine va avec un Italien Ou, Tu sais, des enfants la de même, Puis les Québécois se tiennent pas tu sais mais c'est ça 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 c'était une wing violente c'était ma première sentence fait qu'après ça toutes les autres ont été mais tu as... <laughs> as pas eu fucking personne pas été, tout était tu, tu faisais tes shit j'ai jamais, das, jamais euh... mon gars. jamais tu vois jamais j'ai jamais non marre... mais tu des fois tu sais moi je le vis des fois aussi là tu sais je à, à cause de l'humour tu sais je me retrouve souvent dans des bars puis tout ça tu sais mm. puis tu sais, souvent t'es grand, t'es gros, tu sais, ça... Ah, tu sais, ça, t'sais, ouais, t'sais, ça ben peut s'essayer. Pas, ben, pas, pas nécessairement, mais juste, juste gosser pour voir à quel point t'as euh, de l'air tu l'es-tu vraiment, tu sais, puis... Mm -hmm. Fait je me dis des fois, vite que t'es attaché, il y en a peut-être qui font... Euh, Qu'est-ce, moi, l'essayer, le gros... Euh, non, t'sais. pour de vrai, tu sais, toutes mes sentences, j'ai jamais même mangé une claque. Euh, oui, j'en ai donné, mais c'était plus, tu sais... Chris, moi paix. Euh, non, ben c'était plus pour faire de la... Respecter des règles. Tu sais, il y a une centaine, j'étais président à Trois-Rivières, puis tu sais, j'avais pas le choix. Genre, euh, gars, fait trois fois qu'on dit de laver ton lavabo quand tu te rases on est cité de crotter. Tu sais, tu lui donnes une claque <laughs> pour qu'ils comprennent, tu comprends. Ça me fait passer aux vidéos, je te montrais tantôt, <rire> <rire> de, de, de mon, mon premier invité. Tu là, okay. fais trois fois, je te le dis. Ok, là, il tu parlait tu, dans le dent. Fait trois ça. fois, <laughs> je te le dis, là, c'est ça. C'est parce qu'il y a des vieux, man, que c'est leurs femmes qui ont tout le temps ramonçant derrière les autres. Après ça, tu des jeunes que c'est le maire qu'on parle dans remonter ça l'un dans une wing de prison, il y a bien plus de règlements faits par les détenus que par les gardiens. Mm -hmm. Bien ben oui. plus. On habite tout ensemble. Là. faut que ça soit propre. Il faut que gars, tu te rassembles. Ramasse ton poil, ramasse tes affaires. Si on... Tu te brosses les dents, lave le lavabo. On l'utilise tout. Man. On se dit des fois fait... que y a, y a, y a, ce serait peut-être moins le bordel s'il n'y avait pas de gardien. Des fois, <laughs> les règles seraient peut-être. Euh... Ben, oui. ben Ça veut dire serait plus, plus rock'n'roll, ça serait plus violent, probablement. Mais. T'sais, il reste seulement moins d'émeutes puis d'affaires de ben, la même. Surtout t'sais. au provincial. Moi, je me suis jamais remonté au fédéral. Mais au provincial, c'est beaucoup de ballons ou de gars qui. Mais de, 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 ben, c'est des petites ententes, gars. De, des de... gars qui ont frappé leurs femmes. C'est 70 même au provincial. Ah, puis c'est des, des, du vol, des, des, du vol, des, vol, des, des vagabonds. Ouais. Euh... J'ai vu un gars moi, rentrer trois fois durant que moi, je faisais une sentence. Il y a monde... une petite craquette qui volait un dépanneur pis il faisait des petites sentences. Non, non, c'est ça. Il... il fait un dépanneur, il se fait pogner, il ressort, il se remet sur le craquette. C'est souvent moment, du monde non, pas intelligent ça. ou du monde qui font pas partie du crime organisé. Fait que, le monde qui font partie du crime organisé, qui vivent du crime depuis des années, c'est eux autres qui, veut, pas, vont prendre contrôle de la wing. Ben oui, parce que... Puis, tu sais, jamais euh, en le voulant, là, ça s'est tout le temps fait tout seul. Ça, fait, sûr, quand ça Le président est libéré, puis là, là, le monde dit Ah, oh, mais ça serait le fun que ça soit et toi qui le devienne. Bon, ben, OK, tu sais. Fait que là, tu t'assures que la wing est propre, ça crie pas, ça se bat pas, puis les gardiens t'attendent dans ce temps-là. Fait que ouais, tu la pipe. La paix, ta puis... wing est propre, ils n'ont jamais de problème. Eux autres sont assis, ils lisent le journal, même, ils n'ont rien à faire de la journée, ils sont heureux en crise, là. Fait que tu sais, c'est win-win. Effectivement. C'est fou. Mais tu sais, ce podcast-là est un peu pour ça. Parce que tout le monde sait c'est quoi la prison. Tout le monde entend parler du micro Personne... C'est rare qu'on l'entende justement ces détails-là parce qu'il n'y a personne... Moi, j'ai pas vu de podcast comme celui-là c'est un peu pour ça que je le fais. Parce que c'est quelque chose que justement le monde ne sait pas comment ça marche. Si tu n'as jamais mis pied là... Tu sais pas, t'entends parler. Le monde pense que si je m'en vais à Bordeaux, je vais me faire violer la première journée. <laughs> mais non. Ça arrive pas au provincial. C'est ça... tout le temps la première question que quelqu'un te pose. Ouais. Quand tu sais que tu de la prison, ben, Hey, c'est vrai que tu te fait enculer une douche C'est vrai que ça fait mal? Tu dis Mais non. Ça, fait, ça pas... fait pas mal. Ça fait <laughs> pas mal, man! <laughs> tout le monde sous-estime, l'effet <laughs> lubrifiant du sang, tu comprends? <laughs> tu <sais? rire> mais non, ben, ça se passe pas de même au provincial. <laughs> ceux, ceux qui s'enculent au provincial, là, ils sont consentants. Là, Et... Ouais, non, c'est ça. Il faisait dehors, il le Il y en a des gays, là. Oh, il oui, y a, y a même des plots à gosses, là. On a vu ça, là. <laughs> des gars avec des faux seins, les cheveux longs, sais Puis ils sont fait arrêter pour prostitution, aussi, dans le quartier gay. C'est ça. Ceux, ceux, ceux qui sont enculés, c'est parce qu'ils veulent, là. Oh, au, au provincial. Peut-être pas au fédéral, mais au provincial. Ben, fédéral, c'est ça. On pourrait tomber à manier. Des bêtises, ben, c'est ça. Ben, c'est que le provincial, c'est du deux ans moins un jour. Le fédéral, ben tu 15 ans, t'es là, pis, euh, tu peux commencer pis, à trouver du monde qui est où, de jamais trouver qui tu es T'es libéré dans, maximum aux deux tiers. Fait au maximum, ça va faire 16 mois, là. Fait que. T'es capable de te retenir. Oh, ouais, ouais, ouais t'es ouais, ouais. capable de te casser, là, t'sais. Aussitôt que ton la cronfle, là, ouais, t'sais. <laughs> C'est ça, C'est ça. pas moi tes détails. Je t'aime bien, Mart, mais ah la, fa la, façon, ah la ah façon que tu te branles dans une cellule, ça ne tente pas de l'enfant. Il y avait du stycho au plafond, <laughs> man. C'est super beau. Bon, fait que 2006. <laughs> fait que ta première sentence est finie. Quand tu ouais. ressors, tu retombes à la job, Aziz. Ah, j'ai même pas arrêté en danser. Je sûr. faisais rentrer de l'héroïne dans des coutures de jeans, aussi, puis, euh, Puis je faisais. C'est sûr, tu vas voir ouais, c'est cool. De... <laughs> Ah, bon! Ils peuvent pas prouver okay. vraiment que. <laughs> ben, c'est que... ben, de la marde Mais de toute façon, euh, c'est pis... fait, c'est fait. Mais ben, il y a un, un des gardiens ça. qui s'est fait arrêter aussi. On faisait livrer les livres de potes direct chez le gardien. OK. Pis, il s'est fait arrêter pas longtemps après je sois libéré, justement. Puis c'est le... le gardien qui nous rentrait direct les sueurs, puis le pote. Puis j'ai jamais arrêté même en dedans. Okay. <laughs> <laughs> mais tu sais, je veux dire, tu gérais paris, tu gérais en dedans-dessus. Oui, mais tu sais, ouais, j'avais des budgets qui ouais. continuaient pareil. Oh, oui, des ça, employés, que, puis euh, ouais, ouais. L'argent s'accumulait. Ce qui est le fun, c'est que l'argent s'accumule, puis tu ne dépenses pas. Bien, ben, tu sais, tu as une famille, il faut que tu payes pareil. Non, non, non je comprends. Mais, affaires, on en mais... tant que ouais, les plus gros ouais. dépensiers, quand tu es dans ce, ce business-là, ça rentre beaucoup. Ça sort. Ça sort beaucoup parce que tu en as tellement que tu dépenses. Oui, puis moi, j'étais un joueur compulsif, tu comprends. Bien, je le suis encore parce que ça soigne pas. Ça ne soigne pas, mais. ouais. Fait que, tu sais, peu importe le montant que je faisais quand j'étais dehors. Il n'en restait pas. Il n'en restait pas. Ah, je plaçais des paris pendant que j'étais en dedans. J'appelais des gars, je leur disais sur quel game d'hockey il gagait. Je cherchais mon journal. Man. Parce que j'étais abonné au journal de Montréal, il est à ma porte de celle -là, le 3h matin. Je faisais mon journal de ouais, Montréal. Je lui dire, dit, amené, tu as fait quoi faire? Tu veux te tenir la tête oui. occupée. Puis là, je continuais à gager aussi. Fait que tu sais, toutes les vis, toutes les sites, même si je dedans, ça n'a jamais arrêté. Man. Okay. Jamais. Bon, fait que 2006, bang. Oui. Ah, tu continues à flipper ce que tu faisais, oui. ce que tu as toujours oui. fait. Oui. Ça. Oui. Oui. La, la deuxième fois que tu t'es fait pogner, c'était en quelle année? 2010. 2010. Fait que quatre ans plus tard. Fait que tu étais quatre ans, tu faisais tes shits, personne ne t'achalait. Ouais, pis j'imagine pas... que tu avais des gars ouais, dans en bas. À ce temps là ça a fait ça. C'est ça. Puis j'imagine, là, tu sais, que ça peut ouais. arriver là, des runners qui se font boster, ils n'ont pas la même. J'ai vendu les runs, man. OK. J'avais plus de temps pour ça. OK. Euh, les maisons, euh, je faisais pousser. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Toronto, beaucoup d'Ontario. Beaucoup, beaucoup d'Ontario. De de, Quand je me suis arrêté en 2010, on était rendu, pas juste moi tout seul, mais notre groupe, on passait entre 5 et 600 livres par semaine. Entre 1 million et 1,5 million par semaine de potes dans à peu près 3, 4, 5 provinces canadiennes là, tout dépendant Ça, là, okay. là c'est la GRC ça, ça partait tout du Québec c'était ouais. tout du temps qui était poussé au Québec Oui, oui, oui. Ouais. fait que là c'est la GRC on a je ben, veux dire on avait parce qu'à heure il y en a beaucoup moins qui se fait dans le, dans le privé si on peut ouais je suis mais... déconnecté de non non mais ce que, là, je mais dis, t'sais, mais t'sais, ouais. que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est le Québec a toujours eu une grosse réputation sur notre mmh. qualité tu sais moi j'avais des chums américains qui débarquaient ici capotés quand on le faisait fumer un on C'est pas ah maintenant et ça Noire, pis, et nous, autres, nous autres, moi, j'avais la chance d'avoir été accepté par euh, la communauté asiatique. Ils ne laissent pas beaucoup rentrer dans le cercle quelqu'un qui n'est pas asiatique. J'achetais beaucoup euh, vietnamiens chinois, puis je vendais beaucoup vietnamiens chinois, même. Beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on les voit pas. On entend, pas, on entend beaucoup parler italien, et ça... mais asiatique, on n'entend pas parler. Puis Je le sais. C'est que... très dur de rentrer dans le cercle, tellement que moi mon chum, qui, qui est à la même grandeur que moi, à un moment donné, tu sais, euh, fun fact, là. on s'est ramassé dans un, un after-hour à Toronto, un after-hour illégal de Vietnamiens. Puis toute la soirée, on savait où est-ce qu'on était parce qu'on faisait tu deux têtes veux, de plus, plus que, que tout le monde. monde. On se voyait d'un bout à l'autre de la salle, tu sais. Fait que là, tu voyais que, OK, il n'y a pas grand monde qui rentre dans le cercle, mais, euh, tu sais, on avait le respect, puis on les respectait. Puis euh, c'est ça. Fait qu'on passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres de potes. Surtout du heart, eux autres, ils ramassaient même du heart, même en malade. Fait que je me suis fait arrêter, man, C'est là t'as route c'est à 401 à hauteur de Brockville. C'est là que je suis allé en prison en Ontario. En Ontario, en fait, ouais, tu m'avais dit que t'avais ouais. des en Ontario. Puis ça, aussi. ça a été une affaire, là, une arrestation là, de croche. Oui, moi, je brise la loi pour gagner ma vie au, au passé. Là, mais toi, tu es un policier, t'es supposé la suivre. Là. Mm -hmm. mais cette fois-là, c'est oublie ça. Là. Eux autres, c'est sûr qu'il y avait, qu y avait là, un, une information que j'allais passer. Là, la veille. J'étais à South Alexandria. J'attendais un retour d'argent d'un gars qui me devait beaucoup d'argent de Toronto. Ce que je savais pas, c'est qu'il avait été ramassé la semaine d'avant pour une entrée par infraction à un Home Invasion. Oui, ouais, c'est ça. Puis... Euh, D'après moi, ce qui s'est passé, c'est que lui a donné l'information parce que moi, je disais, hey, man, il arrive tout son temps avec l'argent parce que moi, demain matin, je pars à telle heure pour Toronto. C'est lui qui avait mon horaire, il avait mon char. Tu sais, un char plaqué Ontario, que je faisais attention qu'à l'aéroport, je louais des chars, mais plaqué Ontario. Puis je suis descendu le matin, man, si. Puis j'ai vu un... Tu sais, puis moi, quand j'étais chargé, je voulais 108. Puis quand j'avais l'argent revenant, je voulais 118 tu sais, je suis safe. Ouais, parce qu'on on est moins stressé de arrêter avec du cash qu'avec du produit. Exactement. Là. Puis je suis. tu sais, C'est un char neuf, il y a Ontario. Il n'y a aucune raison que je me fasse coller. Là. Je l'envoie direct à 108. Puis je vois un char qui s'en vient vite, là, genre de fort taurus. Puis ça a donné que dans mon miroir, j'ai vu le reflet du plexiglas entre les bandes en avant et les bandes en arrière. Fait que je sais que c'est un fantôme. Il me dépasse. Aussitôt qu'il me dépasse, il dompe tellement les brakes que le cul il lève, c'ti. Puis là, aussitôt que je leur dépasse, il se met en arrière de moi. Là, Moi, j'avais un fil. Dans ce temps-là, il n'y a pas de fucking affaire oh, de hein. J'appelle ma blonde. Puis là, je, je reste à 108 puis elle est en arrière de moi. J'appelle ma blonde tout de suite. J'ai dit, prends un papier mais un crayon. Je commence à lui donner le nom de mon avocat, le numéro de téléphone. J'ai dit, dans pas long, je vais me faire coller. <laughs> je savais, tu sais, oh, savais tu sais, oh, ben, hein. c'était trop bizarre. Là. Oh, yeah, il y a non, tellement c breaké. Okay. Tu sais, puis que c'était un, un fantôme. J'ai dit, dans pas long, je vais me faire coller. J'ai dit, tu vas appeler cet avocat-là, tu vas lui dire, je suis au poste de Brockville. Puis là, elle appelait reste. En plus, c'est la journée de sa fête. <laughs> On s'en allait voir. Hey, t'es blonde, toi, il y a envie, en il des ouais. des ouais. affaires. On C'était la même. Oh, c'est la, même, en la plus. même, mes enfants. On s'en allait voir Roger Waters de Wall, ben, là, au centre belle le lendemain, là, ou le deux jours après, là, pour sa fête. <laughs> Puis là, j'ai dit, là, là je suis au téléphone avec, j'ai dit, OK, il y a une sortie pour un service center, on va le savoir tout de suite. Tu sais, un, un. Un Rest -area, Ouais, un Rest area ouais. je cherchais le mot en français, mais. Tu sais, t'en es sorti en anglais. Fait que, je prends l'embranchement, aussitôt, je prends l'embranchement. T'sais, il flash tout de suite, il veut pas me laisser aller, il me colle. Fait que là, je dis, reste sur le fil, tu vas entendre la conversation. Aussitôt que tu m'entends sortir du char, c'est là que tu appelles l'avocat. Fait que là, euh, tu sais, comment il commence blablabla. Bla bla, euh, ouais, tu voulais 118 tantôt, blablabla. Je bla, ça, 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 se peut pas, man. c'est juste à 108, sur le cruise control. » Il dit Ouais, mais t'as descendu une côte, tu t'as atteint ça, pis euh, je dis, ben pourquoi d'abord tu m'as dépassé? Pourquoi tu ne m'as pas collé tout de suite? C'est ça la vérité. Il dit, ah, inquiète tu pas, je donnerai pas de ticket, je vais juste t'avertir, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus chiens que moi, et plus tard, plus loin, blablabla, blablabla. J'ai bla. okay. ok, pas fait de problème. fait son ça. bon cop, là. Mais, oh, ouais, c'est ça. Il fait, ton, il fait son chum, là. T'sais. Fait que là, il me demande mes papiers, je donne mes papiers, il s'en va dans son char. Là, je vois les renforts qui arrivent, sais. Là, il vient à, à ma porte, puis il dit, Sors du char! » Je pourquoi, man? » Il dit, Sors du char! » puis là, ça se met à crier. genre « OK, c'est beau, charge Char. Là, j'ai ma blague je dis, charge Puis je mets mon téléphone là. Charles char il m'emmène en arrière du char. Il dit euh, Ouais, c'est quand la dernière fois tu as fumé du pot Je dis Ben, j'en fume pas, man. Jamais. Il dit Mais non, nous autres, ça ne nous arrange pas. Tu peux nous le dire. Non, huit chars avec des chiens. C'est quand la dernière fois tu as vendu du, t as, t as fumé du pot ben, Je dis Ben, je viens de te le dire. Je trouve ça cool que ça ne te dérange pas, mais moi, je n'en fume pas. Man. Ça me crée de l'anxiété. Puis, ça fait des années, man, depuis le secondaire, je n'en fume pas. Puis là, il y avait comme un gros roux tu sais, avec lui. Là, puis, il dit Comment tu peux le nier Tu as des graines de potes sur ton T-shirt. Là, je dis ouais, non, c'est de la cendre de mon cigare. Man, je suis dans ce sens-là, je fumais des cigares. Tu sais, le Big Shot. Là. Je fumais des cigares dans ce sens-là. Là, je dis ouais, non, c'est de la cendre de mon cigare. Puis là, l'autre se met à amener mes droits. Sans me dire sur quoi je t'accusais. Comment, genre, tu sais, en oh, anglais, oh, mais tu sais, « The right to remain silent », tout ça. Mm -hmm. Puis là, je fais, « Man, tes en train de mêler mes doigts? » Il continue. « Je t'accusais de quoi? » Il continue. Puis là, il finit de les mes doigts. Puis il rouvre les portes du char pour fouiller le char. Là, j'arrive en arrière. Je dis, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Là, » Là, le gros singe, lui, il me ramasse, man, puis il me couche au haut du char de police. Là, il fouille tout le char, puis il trouve « fuck out ».« Fuck out », man. Là, il rouvre le coffre. Il voit une poche de hockey. Sans l'ouvrir, il me met les manottes, il m'assied dans le char. Genre, ça aurait pu être du linge pour les pauvres, n'importe quoi. Là, il savait, tu comprends? Là, ouais, non, non, c'est ça. ça. Il me cherchait, eux autres sur l'autoroute. Il savait en style. Fait que, il, il m'assied dans le char, puis il me dit c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est vert ou c'est blanc? Je dis ben, je sais pas, check, mes bagages sont sur le banc dans l'arrière. Moi, j'ai loué le char, je vais même pas ouvert le coffre. y est. Fait que là, il retourne là, il rouvre la poche, là, il voit. Je pense que j'avais 70 livres genre cette fois-là. Là, là j'ai vu, tu sais, ils sont contents, ils se tapent des mains, Puis tout, et. puis là, il revient puis il dit euh, Ouais, venez, il y a quoi? 60-80 livres Je dis Ben là, man, soit t'es sourd, soit t'es stupide, man, parce que je t'ai dit, j'ai jamais vu ce sac-là, j'ai pas ouvert le coffre. Fait que tu sais, t'as pas entendu ou t'as pas compris l'information? Fait que là, les questions arrêtées là, tout de suite. Puis, dans le rapport de police, c'était comme... On l'a collé pour speed limite, là. J'avais même l'étiquette. Ils m'ont même donné l'étiquette petit Oui! <laughs> c'était même pas vrai, là. Ils m'ont donné l'étiquette pour que l'histoire match. Oh, ouais. Comme ça, ils n'ont pas besoin de se servir de leurs informateurs, tu comprends, en cours. Fait que j'avais l'étiquette. Puis il avait dit Il y avait du pot égrené dans les compartiments de porte. Tu sais, où est-ce qu'on met notre petit paquet oh, de cigarettes oh, whatever? Mais tu c'est pas vrai. Je suis parti à 5 heures du matin, même de Laval. Je fumais pas de pot pour de vrai. Le, le short était clean, je ne suis pas un cave de même. Là. Il disait qu'il y avait du pot égrané dans les compartiment de porte. Fait qu'ils m'ont arrêté pour possession simple. Puis là, il faut qu'il fouille le champ avant de l'envoyer à la fourrière. Oui, Puis là, boum, là, ils ont trouvé 70 okay. livres. Mais là, essaye de te défendre. Mais contre, là. T'sais. Mais clairement. Clairement, je suis « fuck ». pas réussi à te descendre, là? Clairement, je suis « fuck ». Je n'ai pas de témoin, je suis seul. Fait que là, tu as été euh, tra... Ils accusé de trafic, dans le fond, ou… Oui, oui, de, 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 même de trafic national interprovincial. J'avais une interdiction de quitter le Québec. Tu sais, mon avocat, il a rarement vu ça. Tu n'as pas d'interdiction de quitter le Canada. J'avais une de mes conditions quand j'ai finalement été libéré sous caution. J'avais une de mes, de, de mes conditions, c'était uh, « have to remain within the province of Quebec at all time except to attend court », tu sais. Fait que je pouvais juste quitter le Québec pour aller en cours. Fait que tu sais, c'est en 2010. 2010. 2010, 2010, je me suis ramassé en prison de Brockville, en Ontario, avec les sous-taranges là. Ouais, j'ai un chum qui s'est retrouvé là. Mm -hmm. euh... C'était très drôle. Mais tu sais, c'était gros comme ici, Genre, la wing, il n'y a pas de cellule. C'est euh, six lits superposés, <laughs> avec une télé, une to deux toilettes, deux vrai. lavabos, puis une table. c'est ça, là. Tu sais? Ouais. Puis tu sais, moi, on m'avait dit de, plus souvent Ah, les Québécois, c'est l'enfer en prison en Ontario, pis tout, puis là. Moi, j'avais passé aux nouvelles la veille là-bas. J'arrive là, là tout de suite, ça m'entoure. manteau, le Québécois qui arrive, il dit, c'est toi le Québécois qui s'est fait arrêter la 401 hier. Là, je fais Ouais? Là, il me dit tu transportais tout ça pour le club. Il m'a ouvert la porte, mon gars, je voulais pas de trouble, moi, fait que je me suis mis à gueuler, même tout de suite, stie, même si c'était pas vrai, tu comprends? Je me suis mis à gueuler tout de suite, quel club? Tu quelqu'un qui connaît un club site? Je criais, puis je regardais tout le monde. Tout le monde se met à regarder à terre. Il y a un gars qui m'a aidé à faire mon lit. ce soir, ben été <laughs> ah Ouais, bon, euh, moi, mon King s'est retrouvé là. Lui, ça va lui il est arrivé, puis il, il, il est en train de lire les règlements. Il avait sa serviette. Il est arrivé, à, genre, si t'as pas ta serviette, tu peux pas prendre une douche. Il s'est fait. Non, OK, il s'est réveillé, il avait <laughs> a plus de serviette. Moi, j'ai fait deux pas. J'ai fait deux pas, puis j'ai fait mon show, puis euh, ils l'ont gobé, man, totalement, là. Puis ça a super bien été. Puis ça, c'était ouais. juste euh, jusqu'à temps que tu aies remise en. Oui, parce que mon, mon avocat, man, il a fait genre, euh, tu sais, il y a, a deux langues officielles au, au Canada. Fait que si vous voulez absolument pas transférer son dossier au Québec, j'exige un juge qui parle français, un procureur qui parle français, un ci, un ça, 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 ça c'est son droit. Sinon, bien, vous libérez ce caution, vous acceptez qu'on transfère sa cause au Québec. Au Québec. Euh, ça, marche, ça marche bien, c'est clair. Ouais, bien. Mon avocat, dans ce là il avait genre 12 ans d'expérience comme procureur. Fait que okay, okay, il était okay. rendu de l'autre bord, c'est les, eu, les, les eu, meilleurs. T'as eu quoi comme... Euh... Finalement, on a joué la carte du joueur compulsif. OK. Tu sais, tu peux jouer à la carte, man euh, de l'addiction une fois dans ta vie, tu comprends? C'est que ta première offense, ça peut être pété. Là, la loi du temps double n'existait plus, puis un sixième automatique n'existait plus déjà. Là. Puis euh, là, il m'offrait 3-4 ans en Ontario. Puis, euh, ça, je disais à l'avocat, j'en vais jouer la... La carte même, de l'alcoolique ou du drogué, mais il me dit Ouais, mais tu sais, tu l'es-tu vraiment Je fais Non, mais s'ils font des pistesses, des prises de sang, ou whatever, ou posent des questions, ils vont se rendre compte. Je dis Ok, je joue, joue pas mal, mais tu sais, je dis joue un peu. Dans ce temps-là, je me rendais même compte. Tu jouais de... en Christ, mais tu te rendais compte pas cas, compte. Je me rendais pas compte, j'avais un problème. Ouais, c'est ça. Je dis On peut-tu jouer ça Ça, ça se prouve pas, même. Il me Ok, on va la jouer. Fait qu'on a demandé un rapport présententiel. Là, là, J'ai rencontré une petite fille qui me demandait de compter ma vie. Puis là, je l'ai endormi bien raide. Je faisais ça pour payer mes dates de jeu. Puis je me suis fait poigner la première fois. Que je faisais un transport. Je voulais être malchanceux. Tu as eu quoi au bout de la ligne? <laughs> J'ai eu 15 mois. <laughs> 15 mois pour à, 70 livres de ouf. Avec une thérapie ouais. interprovinciale. <laughs> avec une thérapie. Mais même la fille de la présententielle, elle, elle, elle disait, ouais, il serait éligible à un sourcil de deux ans. Tu sais, chez vous pendant deux heures, ben, tu peux y sortir pour aller oh, travailler ouais. ou à l'église ou à l'épicerie, genre. Mm. Puis là, le procureur, ben, il avait appelé mon avocat en tabarnak. ton client, ben, c'est un vendeur de balieuses, Il a endormi la petite ben raide. Puis là, ça a négocié fort, le procureur puis l'avocat. Puis, ouais, j'ai fini 15 mois, même. Puis, t'as fait quoi sur 15 mois? J'ai fait <J 'ai... rire> <J 'ai... rire> <laughs> J'ai endormi le comité de libération aussi. J'ai fait cinq mois, mais je me suis remonté en maison de transition. Là, les okay. autres, ne sont pas faits endormir. Non, non. Ils se sont habitués, autres. J'arrive en maison de transition, puis eux autres, c'est marqué dans le dossier. Là, là, la... la fille sur mon dossier est là, puis elle dit Tu sais, toi, tu n'es pas un criminel d'habitude, tu as des problèmes de jeu, tu t'es fait pogner, bla bla. bla et oui, ils citent, même les criminels d'habitude, ils font deux, trois mois. C'est vraiment juste pour vous réapprendre à intégrer la société, puis vivre pis... en société. Mais okay. ben, moi, man, j'avais jamais vécu vraiment en société. Là. Oui, je travaillais, mais j'avais tout le temps une double vie ici. Fait que là, je dis OK, pas de trouble. À deux, trois mois. et J'ai fait sept mois, man. En transition? Sept mois de transition. Sept mois. J'ai vu, un gars, man, qui sortait du pen pour tentative de meurtre, faire trois mois. Je voyais le monde arriver puis partir. Ça, c'était à cause du call des problèmes de jeu. C'est parce que je j'étais pas cassable, j'étais pas consable J'étais vraiment pas dans le moule de la société. Je brisais jamais les règlements de la maison de transition pour en faire temps dedans. Mais je pilais ça aller c était, c était, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça les ah, faisait chier. Tu tu ton compte de banque, la moindre de tes oui, dépenses… Oui, 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 si à Sainte-Pré, il fallait non, non, que je prouve tout. J'ai ouais, cancellé non. mon cellulaire à cause de ça. Moi, je connais, écoute, je connais ah, bien du monde qui ont préféré faire le 100 ans. Après avoir vécu la transition, ils ont fait Les prochaines fois, ils ont fait « Je fais ma pleine 100 ans, je m'en Je te dis, t'en trouveras pas gros qui ont fait 6 mois d'un coup. c'est la première fois que j'entends ça. Je vais faire 5 mois de prison, ça n'a pas de bon sens. J'ai fait 5 mois de prison, 7 mois de, de transition. transition. Ah non, calice. Si bon. Ah non, eh, je voulais rien savoir. SFD, mais à l'EU Défense, c'est à partir de là que je suis devenu un autre être humain. Pour de vrai. Tu sais, À chaque mercredi, il me faisait faire une thérapie différente. J'en ai fait 23, même. 23 thérapies ben, différentes. Quand tu penses que es devenu une personne différente... Ah, oh, de... je, je suis plus pareil. Dans, de, non, mais depuis pas, 2013, de côté là, je suis plus pareil. Positivement? Ah oh, ben oui, positivement. Okay, non, mais c'est ben ça. Oh, pas... oh oui, positivement. C est, c est, ça t'a fait allumer sur bien des affaires, donc oh, ton problème de jeu, j'imagine, qui était... Oui, depuis ça, temps-là. Qui temps, était un problème que tu as utilisé sans savoir que c'était un problème. J'ai pas joué depuis ce temps-là. Je suis rendu à 9 ans et demi. Nice. Je fais encore du meeting des gamblers anonymes. C'est ça pour ça, man. C'est genre 10 ans au mois de décembre, là. Tu sais, mais tu sais, au début, j'étais obligé d'y aller, de faire signer ma feuille. Wow, ouais. Une fois par semaine. J'arrivais là. Je regardais mes pieds tout le long. Quand c'était fini, je faisais signer ma feuille. À je crissais mon ouais. camp. Mais ben, à un moment donné, à force de. Te... À un moment donné, man, j'ai comme. Puis là, c'était rendu que j'en faisais deux, trois par semaine. Puis j'étais un qu'obligé obligé d'en faire une, hein. J'étais encore en maison de transition. Euh, sais c'est vraiment les, comme les, les 20 questions. Là. Là, il disait, si je pense, 7 ou 8 sur 20, es un joueur compulsif, j'en avais 19. Puis je me suis dit, bah, c'est truqué, ça, n'importe qui va avoir 20. je vais chez ma mère le soir. Là, si mon frère était là, je vais vous poser les questions avec ma belle-sœur. Vous allez voir, tout le monde dit Ouais, ces astuces de questions-là. Finalement, il que... ben, y avait tout zéro. Il y avait tout 0 sur 20. Là, j'ai commencé à analyser un peu ça. J'ai euh, peut-être un problème finalement. Non, mais c'est parce que quand t'es dans, dans ce dans tu penses que c'est normal et que tout le monde est comme toi. Puis là, en thérapie, ils m'ont fait calculer combien j'avais perdu dans le jeu, là. Ils m'ont fait Ouf. faire une thérapie extérieure ou ça en même temps que le gambler anonyme, puis en même temps que le fucking euh, transition. Puis là, quand j'ai atteint 800 000, j'ai tout pitché. J'ai dit, OK, je ne vais pas savoir comment j'ai perdu. Oui, à un moment c'est ça. Je me suis même calculé ça avec les chars, moi, les modifications. Puis c'est pour ça, que j'ai commencé à calculer. J'ai acheté le char, tout le montant. J'ai mis tant dedans, puis je l'ai vendu temps, Puis j'ai calculé, j'ai fait ça trois fois. Ouais, tu vois, j'en ai, puis tu es remonté aujourd'hui. C'est ça c'est ça. Là, écoute, je ne vais pas te 2010, bang, transition est finie. Puis je sais que la dernière fois que tu étais été sentencié, c'était en 2017. Oui. Là 2013, quand je suis sorti de transition, c'était en 2013. 2013. Juin okay. 2013. Fait Puis, de 13 à 17. je me suis comme euh, euh, assagi. J'ai euh, j'ai travaillé dans une usine. Je suis... Je faisais un deal par-ci par-là des fois, par on disait les fois de moi, mais plus comme avant. C'était des... plus là, ouais, là, t es, t es plus une plaque Puis tournante, mettons. J'avais tellement changé qu'on dirait que mon ex a... Tu sais, j'étais tellement un trou de cul avant, maintenant on ne peut pas me dire non, on... jamais. On leur a dit qu'à partir de temps, je la manipulais quand même. Ça... J'avais tellement changé que ça marchait plus. Elle m'avait entendu toute ma sentence? Puis là, ça ne marchait plus. Okay. On s'est séparés, je n'ai pas voulu perdre la maison. Fait que j'ai continué à payer la maison, la pension, je travaillais, c'est ça. Man, j'arrivais kiff-kiff, man. D'un coup, j'ai un mes vieux chums débarque chez nous. On aurait un hit, man, sur euh, une usine dans le parc industriel de Chambly. Euh, on est deux, on fournit l'argent, c'est toi qui montes toute la place, c'est toi qui s'en occupe. On fait quatre récoltes, un an, on démonte tout, on finit ça, on fait à peu près 200 000 de profit chaque. J'ai fait. Yeah, why not? T'sais, ça me fait un coussin, sais Moi, je parlais souvent à ma mère. C'est ça j'ai dit à ma mère. Genre, ça, que ma mère, était là. T'es bien parti, je ça. Je ouais, mais tu sais, fait 10 ans que je paye la maison. Je pas goût de la perdre. Je pas goût de la vendre. Tu sais, je n'aime pas le changement, Asti. Je n'aime pas déménager. Pis là, euh, j'ai dit, écoute, je vais faire un Je fais ça un an. Je réussis. Je mets ça de côté. C'est fini à vie. J'ai un petit coussin, Je vais m'aider. Puis, si je me fais pogner, je vends tout ce que j'ai en ville puis je déménage en campagne, je m'en viens dans ton coin en campagne, puis loin des, 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 des mauvaises influences, puis je, je finis à vie. Fait que du ou d'un autre, c'est fini à vie. C'est fini à vie. Ah, c'est soit je, soit je finis ça. avec 200 000, soit je finis avec Et une autre sentence, ouais. puis, puis une maison, puis… Finalement, je me suis fait arrêter deux semaines avant la troisième récolte. Euh, 80 lumières, 720 plantes dans le parc industriel de Chambly. Que, mais le projet a marché. Mais Il a marché. Au trois quarts. Euh, ouais, euh, c'est ça. J'ai eu deux récoltes sur, sur, euh, sur quatre. Sur quatre. Ouais. Puis fait encore. que as fait 50 000. Mmh, ouais, à peu près. À peu près. <laughs> Puis euh, je me fais mes matchs. Je <laughs> suis pas, j'suis pas à temps de match. Je me dis. <laughs> mais pendant tout ce temps-là, je continuais à travailler à, à l'usine. T'avais ta job, Bevin Jones. J'étais brûlé, man. Puis là, dans le fond, qu'est-ce que y a de je veux dire, Chris... Il y ferait 4 à 5 ans. Il y ferait 4 à 5 ans. Tu sais quoi, quand ils ont bossé t'étais-tu dans la place? Non, puis son cave, parce que ça faisait un mois qu'il me suivait à trois équipes, de que des charlouis. Il savait que quand je finissais à l'usine, j'allais à mon autre usine, à Rosé, il me voyait, il y avait tous mes déplacements. Puis à cette coïncidence, man, ce soir-là, quand je venais de travailler, j'avais faim, je suis allé manger, man, dans un resto-bar. Mais il y a, a ces là qui ont décidé qu'ils rentraient puis, dans l'usine. Oui, ils sont rentrés pareil, puis ils me surveillaient au resto-bar. Mais comme des câbles, ils arrivaient juste à attendre. Mais quand je serais sorti de là, je suis arrêté. arrêté. Ouais, ouais. Fait ils m'ont arrêté. m'ont arrêté dans le parking du resto-bar. Ouais, euh, six, six policiers en civil, six guns, six plaques. Merci, bonsoir. Ils m'ont arrêté là. Puis on euh, oublie ça, la caution. Hein. J'ai engagé un spécialiste des, des droits et libertés. Puis il a réussi à prouver que le mandat était illégal, que l'enquête était bâclée, que blablabla. Bla, 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 bla. Fait que j'ai réussi à avoir une sentence après deux euh, une caution après deux semaines. Okay. J'ai tout vendu en ville. J'ai déménagé en campagne. J'étais allé chez ma mère, comme j'avais dit. J'ai refait ma vie. Finalement, je suis rentré en dedans en 2019. Encore une fois, j'ai juste pogné 15 mois à cause des, des, des droits et libertés. Au puis de en 4 plus. À 5 ans. Puis tu me disais qu'à ouais. cause du COVID, tu étais ouais. une des personnes pour qui le COVID, ça a été positif. Toi, ouais, tu étais libéré. Moi, j'étais déjà en moi, quand le COVID a commencé. Ça. Puis à cause du COVID, ils ont fallu... fait. J'ai fait cinq mois, man. Un tiers, oui. Attends, vous Ah, c'était malade. Dans une wing de 24, on était rendu 12, man. On avait toute une cellule du sol au début d'être en double. Tout le monde qui passait aux libérations, il libérait, puis il ne rentrait pas d'autre monde. Non, c'est ça, Frank. Ils ra... Non, c'était dégueulasse. Il les gardait en haut, dans un autre wing, pendant deux semaines. Isolé dans le cellule, Ils Il allait même pas prendre le douche ou le bain. Là. Pendant deux semaines, il était dans le cellule tout seul. Puis après deux semaines, s'ils testaient négatif, là, ils les envoyaient à... dans les autres wings. Fait que pendant ce temps-là, nous -ce autres, ça se vidait, là, Puis les autres les stocker deux semaines avant de les envoyer. Et il n'y avait plus personne dans le wing, man. Tout le monde qui passait au Tout le monde qui avait le date de libération man, était libéré. Tout le monde. Ça, ça a été une vraie joke, encore une fois. J'étais chanceux, en crise souvent, même. Fait que là. <rire> euh... <rire> Ça fait trois ans à peu près? Oui, ben je suis sorti en avril 2020, ouais. 2020, ça ouais. fait comme un peu plus que trois ans ouais. libéré. Ouais. On s'est vu dans ton coin, justement. Ouais. Un job, travail, ouais, ouais, ouais. Oh, tranquille. Super, euh... bien. super bien. Depuis 2017, dans le fond, j'ai rien fait là, Non, non c'est ça, mais juste ta dernière ouais. sentence, ça fait que. Ouais. En 2018, j'ai acheté un bar. Oui, ouais, si ça, on avait parlé ouais. un peu du produit de il vie a, a, a... oui. Ouais, fait... puis... Je l'ai fermé durant le COVID. Je l'ai vendu il y a trois mois. Là, Aster, tu sais, euh, je fais partie de Cérapoxy. Oui, c'est tu euh, me ouais, j'suis, Tu j'suis... fais de la formation pour des, des planchers. Je fais de des, la formation, porties, je vends des ça. produits, je conseille. Euh, Puis, je suis ouais. juste... Une affaire, parce que tu t'a mm -hmm. parlé beaucoup de ta blonde qui a vécu beaucoup de péripéties ouais, mon ici, ex, ouais, et ton ouais, ex ouais. Ouais. est Ton ex, moi, c'est ça, qui t'a dit la mère de mes enfants. Mm -hmm. Deux kids, je pense. Mm -hmm. euh... Deux qui m'ont retrouvé à la date, en tout cas. Deux qui t'ont retrouvé. <laughs> Mais... <rire> Comment t'as comment, comment dit aux autres, comment ils ont dit ça, toi, comment t'as dit ça? De... Euh, comme je te dis, tu moi, peut-être je suis suspect de l'asperger, puis eux autres sont autistes. Que... C'est vrai ou… Euh, je... euh, pas tant. Non, okay. Le deuxième, un peu plus. Okay. Ils sont vraiment différents l'un de l'autre, là. T'sais. mais euh, c'est pas… Euh, on n'est pas du monde qui s'ennuie tant, tu comprends? Oh, ouais oui, non, anyway, c'est en dedans, il faut pas tailler la tête dehors. Fait que moi, ça, ça va être long, Moi, c'était genre, bon, la clôture est là-bas, le monde arrête là, là. Y a rien à dehors, en parlant. Mais tu sais, ça pas reparlé, ils doivent être rendus. À moins que tu ne veux pas parler de tes kids. Non, pas non, pas non, parler. non, ça ne me dérange pas avant tout. J'en ai un qui vient d'avoir 12 ans, puis l'autre va avoir 18 dans pas long. Ok, ok. sur ouais, ouais, tu ouais. des discussions, tu ton gars de 18, des fois, là, il est au courant. Ils sont euh... au courant. Oh, oui, non, mais tu es, 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 ouais. es revenu comme Chris, c est, c est, ça a été poche ou non. Tu sais, à cette heure, belle relation avec tes kids, puis tout, ça va bien. J'espère que ça va bien avec ton ex. oh oui, aussi. Oui, on s'entend. Parce que ça ne vit qu'un des affaires avec toi, là. Oui, on s'entend super bien. On s'est tout le temps bien entendus. On s'entend mieux depuis qu'on n'est plus ensemble. Oui, souvent. Tu sais, euh, C'est ça que ça tu sais, C'est important pour les enfants. Mais non, euh, je, moi, je n'étais pas du genre à appeler. Ben, ben, okay. Je voyais, ouais, voyais, pis... voyais ceux qui étaient au téléphone toutes les soirs, qui avaient de la misère à faire le chiffre. Il faut que tu oublies même. Il faut que tu oublies, faut ouais, que faut que oublies ce qu'il y a dehors Je pensais à faire que... que tu sais, quoi, quoi, moi, je voyais ça comme un camp scout pour adultes. Tu comprends? Non, mais tu sais, moi, tu sais... Dans, dans le passé, tu j'étais comme, hey, si ça m'arrive, ça m'arrive, puis je vais le faire mon, mon temps, puis oh, oui. mais depuis que j'ai des enfants, je suis comme, eh. je suis content de ne pas être dans, 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 ouais. dans ce vie-là un peu parce que, tu sais, je pense que c'est ça, ça qui me ferait plus mal. c'est pas d'être moi enfermé c'est d'être loin de mes kids, Mais Tu sais, peut-être. T'sais, moi, je déteste avoir des visites. Man. Détesté, non, je mais Puis, il y a du monde qui voulait venir me voir. Puis, la fête, mon plus vieux, quand il y a eu un an, je suis en dedans, justement, en 2006 à Bordeaux. Puis, il est là, au bord de la ville, blindé. Puis, il pleure dans sa couche, man. Je veux pas de Ouais, non, parce que là, je J'ai du fun. Là. On joue aux quelques hommes dans la cour, Resti, man. On fait des games de Monopoly qui durent deux jours, Tu sais, c'est con à dire, mais c'est ça. Faut, faut que tu tu te focuses là-dessus. Puis là, tu te fais coller aux visites. Puis là, t'as ta blonde qui dit comment ça va mal. Puis ton bébé qui pleure. C'est égoïste. Ça te ramène la tête dehors pendant oui, deux semaines. C'est égoïste, mais si... Christ. Man, non, si, je comprends pas. Ben, ouais. si, si tu veux survivre, il faut que les oublies, man. Puis il faut que les autres t'oublient. Ben, moi, moi, je disais hein. même à ma blonde, fais ce que tu veux. Fais ce ouais, que, que non, tu veux, juste ça. pas le savoir. Fais ce que tu veux. Vis ta vie. Là. That's it. Là. Quand je reviens, quand reviendrai, on verra ce qui reste. Il faut que tu te convainques que le monde... La planète arrête aux clôtures. Mais c'est ça qu'on m'a dit. moi, On m'a dit, écoute, une fois que tu as accepté que tu fais tes. Tu t'as rien à gérer. tu sais. Je veux dire, tu es là, tu rien à gérer. Tu rien à t'occuper. Tu es, es nourri, logé. Ouais. Es, t'sais, fait que, tu, tu te fais une tu routine. Fais, tu te fais une routine. Tu, tu fais, fais une content, routine, tu fais tes man. Fais tes euh, euh, ouais. hey, moi, il y a des sentences. En six mois, je perdais 50 livres. Je m'entraînais deux heures par jour. Là. Ça n'avait pas de bon sens peut-être que tu recommences mon homme je <laughs> je je parle pas de même à tous mes invités mais Mart c'est un vieux chum, je me le permets hey, euh, Mart, c'est yes. euh, je, je trouve ça cool parce qu'écoute <laughs> pour un vieux chum tabarnak j'ai appris plein d'affaires sur oh, toi ouais. je sais que es un gars, t'sais, un gars on, a, on a parlé au bar l'autre fois où -ce que je oh, faire ouais. un show d'humour merci d'être venu me voir euh, en humour, plaisir, euh, parce que oui je fais le podcast au parloir, je suis aussi un humoriste, suivez-moi sur mes réseaux je suis drôle oui très drôle Puis. Merci, man. Merci d'être venu. Merci d'avoir conté ton histoire. Je ça peut inspirer trop, du monde. Puis c'est intéressant, man. J'espère parce que euh, le milieu carcéral au Québec, c'est plate, mais ils sont encore plus axés sur la punition que la réhabilitation. Puis je pense que c'est le gros problème. La plupart du monde sont là plus que deux fois, trois fois. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. S'ils s'axaient plus sur réhabiliter le monde que les punir, peut-être que ça irait mieux. Moi, j'ai compris T'sais. que le monde qui s'était réhabilité. Ça a été leur décision, parce que c'est eux autres. Ça n'a bon rien sens. à voir avec ce qui s'est passé en ça dedans. Ça n'a aucun sens comment que ils ne t'aident pas pour ça. Ils, ils, ils vont t'aider si tu veux t'aider, mais ils devraient forcer le monde. Après deux sentences, ils devraient leur dire « gars toi, tu n'as pas de métier, man, tu ne sors pas d'ici. Tu, tu peux suivre des cours de DAP, de ci, de ça, de blabla. » J'ai fait des prérequis universitaires, moi, en dedans. Oui, non, tu, sais, tu comprends? Mais puis tu sors, puis il n'y a personne qui veut t'engager pour laver un plancher. Parce puis que... tes assurances coûtent trois fois plus cher que tout le monde. Puis il a fallu que je vende mon chalet parce que je ne suis pas assurable sur une maison secondaire. Puis... Moi, j'ai un de mes chums quand il est, est sorti est... pour y donner un coup de main. Je, je magasinais pour acheter un, un immeuble à, à revenu, un bloc. Ouais. Puis on l'a acheté ensemble. Puis. Mais il a fallu lui mettre troisième, puis il n'a pas fallu lui mettre ses assurances, puis tu sais, parce que justement, c'était compliqué. Moi, je lui ai donné un coup de main en disant, on va faire ton crédit, on va acheter un bloc ensemble, ça va t'aider en sortant ça, Mais écoute, c'est hey, un bordel. Hey, il a fallu, parce que lui, son argent est à Sorel, son argent légal est à Sorel. Mm. Puis tu sais, j'habite à Rive Nord, puis mes blocs sont à Rive Nord, puis il a fallu que j'aille à la caisse de Sorel parce que c'est la seule façon que non non c'est ça la, la vie pas puis ouais, honnêtement Martin c'est le, le deuxième invité du, du podcast puis j'espère euh, que le podcast va durer longtemps puis honnêtement j'espère que le milieu carcéral donc c'est à dire le gouvernement puis tout ça, vont vont écouter euh, puis peut-être tirer des leçons de ce podcast là peut-être tu sais, euh, ils <laughs> euh... nous consulteront jamais man. Non, mais peut-être justement d'avoir de, 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 cette écoute-là, je ne sais vrais, pas où ça va se rendre, mais écouter du monde qui sont justement qui ont passé par là puis qui se sont réhabilités après, ah. peut-être que ça va ça, ça, ça va leur peut-être leur ramener une nouvelle vision. Mais ouais. sur ce, mon chum, merci d'être venu. Yes. Merci d'avoir partagé euh, le parloir.